Bonjour, mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous un cas pratique concernant la comptabilité analytique d'exploitation. L'objet de cette vidéo est de calculer les charges de la comptabilité générale à partir des charges de la comptabilité analytique d'exploitation. L'entreprise D est une entreprise individuelle au capital 6 000 dirhams. Pour l'exercice, le total des charges de la comptabilité analytique est 1 000 dirhams. On a d'autres informations, les charges d'exploitation non incorporées, les charges non courantes, rémunération mensuelle. C'est pour rémunération des capitaux, on l'exercice, d'après la définition de calcul des charges de la comptabilité, on va le poser. Ou les charges de la comptabilité analytique d'exploitation décalé les charges de la comptabilité moins charges non incorporables plus les charges supplétives. On a les charges de la comptabilité analytique d'après l'exercice déjà calculé sur les milliards de on va tracer un tableau pour calculer les charges non incorporables et les charges. Et un élément. Montant. Et un les charges non incorporable et d'un chauffe-home et d'un d'après l'exercice les charges non incorporables et d'un kaina les charges non incorporables de tâche 30 millions. On a encore les charges non courantes. Là, je remets bien. Et dans le total. Les charges supplétives rémunération que l'exploitant même via juge l'entreprise individuelle DEI voilà rémunération de l'exploitant إذن عندنا شهر إذن نضربها 12 7000 12 إذن تشحل الكابيتال مسيو داهي 600 000 ou le taux de marche mien. Marche mien. Moins de boire de marche. Marche mien. Ouais, donc tu vois que je t'appelle.
إذا شحال الأول؟ 84000، والثانية 600000، 12000 كتساوي 72000، التوتال كتجي 156000، عندي التوتال. إذا لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال دابري ديفينيسيون لي كتبناها في الأول أو فينونسيير عقلو ليها كتساوي 730000، موان كتولي بلوس 730000 شارج نون كوبوراب 26000 ناقص 156000 كتساوي 600000. فوالا، ميرسي دو فو اتونسيون جوسكا بروشان فيديو.